Amis des achats sur le net, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais le numéro 2 de QDN, donc pour Quoi de Neuf. Et je vous montre un petit peu qu'est-ce que le facteur m'a apporté de beau ces derniers temps. Alors, ici, pourquoi se priver, un paquet de 100 LED bleus, qui sont en plus bonne luminosité. Et j'ai payé ça de 2,96€ les 100, port compris, donc... Bon, c'est pas que j'en avais pas déjà, mais enfin, celles-là, elles sont sympas. En plus, elles sont... j'aime bien leur couleur. Donc, ça me servira toujours. Je sais pas pourquoi. Ça, j'ai pas acheté ça sur eBay. J'ai acheté ça sur Banggood, un truc comme ça. Mais c'est pareil. C'est des petits trucs de test, là, des petits clips de test. Et vraiment, ils étaient vraiment pas chers. C'est pareil, je crois que j'en ai eu pour 3-4€ le tout, là. Et donc, c'est des petits clips qui sont, en fait... Voilà, monté comme ça, on peut voir avec ici une petite pinoche et ici donc le câble qu'on peut facilement brancher dessus comme ça. Voilà, ce qui va permettre, là c'est très précis, ça peut permettre de crocheter directement une patte de circuit et autres, donc pour analyseur logique ou autre système de... J'ai aussi trouvé ces petits microcontrôleurs, donc là c'est pareil, c'était vraiment pas cher, c'était 1€ pièce, hein, c'est des Atini 13A. Donc en fait, c'est des petits microcontrôleurs qu'on peut programmer. Et ça permet de faire des fonctions très simples, genre commander un cerveau, un clignotant. Enfin, c'est quand même assez puissant. Hein. Je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus. Il y a un convertisseur digital, analogique digital. Il y a pas mal de choses. Et ça se programme, par exemple, comme un Arduino. Donc ça, c'est sympa. Ensuite... Pour un petit projet que j'ai pris ces petits écrans OLED. Donc c'est des petits écrans OLED, alors je ne me rappelle plus trop la résolution. C'est pareil, ils n'étaient pas chers du tout. Hein. Ils ont trois pour 6 et quelques euros les deux. Et qui s'alimentent donc en 3 volts. Et ça c'est pour un petit projet que j'ai, dont je vous reparlerai certainement. Et pour finir, last but not least, ceci. Donc ceci en fait c'est un générateur de bruit à très large bande. Donc, alors lui par contre ça coûte un petit peu plus cher, hein. J'ai trouvé ça chez Bellevue 2046 sur eBay pour 30€ à peu près pour compris. C'est vendu avec une alim 12V qui malheureusement par contre est pas faite pour des prises françaises, donc bon, je suis sûr que je vais arriver à la bricoler, de toute façon c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et ça bah, par contre je ferai bientôt une autre vidéo sur cette nouvelle source que je vais étudier en détail. Et qui me servira pour certains projets RF que j'ai. Donc voilà pour ce QDN numéro 2. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.